Eh bien, salut à tous, c'est de nouveau Chico et le Coco, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Last Day on Earth. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien et que mes vidéos vous plaisent toujours. Sachez que je suis maintenant sur le Discord, sur lequel j'ai passé quelques heures hier, même en chat vocal avec certains d'entre vous. Et d'ailleurs, comme promis, je fais déjà une petite dédicace au Discord. Je vais vous mettre le lien de l'application en description pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est vraiment une plateforme dédiée au jeu Last Day on Earth. Donc je vous donnerai le lien de cette plateforme-là, du serveur Last Day on Earth. Sachez qu'on est plus de 4000 sur ce serveur à jouer à ce jeu-là. Donc voilà, ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille vraiment de venir. C'est vraiment super bien fait, franchement. En tout cas, ceux qui l'ont créé, bravo à vous, franchement bravo, chapeau, sérieux, c'est vraiment super bien fait. Donc je fais déjà une petite dédicace au Discord, une petite dédicace pour La Crêpe, Werthog, Thermi, BFF Royal aussi, Toku, Asgog, à tous ceux à qui j'ai parlé hier. Je vous fais à tous une dédicace, un gros merci à vous tous de vous être abonnés déjà, franchement c'est super bien, ça m'a fait super plaisir. Du coup, les commentaires, pareil, hein, j'ai que des commentaires positifs, donc voilà, je suis super content. Donc aujourd'hui, c'est une petite vidéo qui va parler un petit peu de tout. J'ai noté, parce qu'on m'a demandé plein de choses hier, donc on m'a demandé comment avoir le bain d'acide. Donc le bain d'acide, sachez qu'il faut faire le bunker, et c'est dans le bunker au niveau du SS3 que se trouve le plan du bain d'acide. Donc dans une des pièces, une des dernières pièces que vous allez clean, vous allez avoir dedans un petit point d'exclamation dans un rond bleu, et justement en fait c'est le plan. Et là-dessus il est marqué la première fois que vous ferez le bunker, il sera écrit récupérer le plan, donc apprendre le bain d'acide. Et là du coup, le plan du bain d'acide sera dans votre inventaire, et du coup vous pourrez le crafter. Donc là il faut faire une première fois le bunker SS3 pour pouvoir accéder au bain d'acide. Alors donc les petites dédicaces, ça c'est fait. Je devais avec vous, comme promis, je vous avais dit qu'on finirait la base ensemble, donc on va finir la base la mienne, on va la finir ensemble. Normalement j'ai de quoi la terminer, donc on va faire ça tout de suite. Alors on y va. Ok, c'est bon. Voilà, donc ici on est à la base. J'ai pris Naka, c'était pour faire une petite miniature en fait, mais voilà, donc pareil, hein, sachez que je travaille sur les miniatures, sur la bannière de présentation de ma page. J'essaye de faire au mieux. L'intro, à mon avis, ça viendra par la suite parce que j'ai beaucoup de demandes pour les vidéos, donc je préfère d'abord me consacrer à ça en premier lieu. Et après, je ferai les miniatures et tout ça. Donc, on va continuer la base ici. Donc, il nous faut déjà une... Je pense que j'ai plus qu'une porte. Deux portes à améliorer. Donc, déjà, il nous faut 20 barres de fer. Donc, pour le coup, effectivement, on manquera de matériaux pour finir la base. Mais voilà, on peut déjà faire les portes. Super important, les portes. Ah, quoi qu'il ne manque que 3 murs. Trois murs, non, ça devrait le faire, ça devrait le faire. On devrait y arriver. Normalement, on devrait pouvoir la finir. Il faut des planches. Des planches, ça va, il y en a. Je vais prendre celle-ci. Et il me reste justement 60 briques, et c'est ce qu'il me faut pour finir ma base. Donc, 1, 2, et... Non. Non, ça c'est une blague, ça. Ah non. Attendez, je pense que j'en ai qui est en train de se faire des briques. Je dois en avoir ici. Ouf. Ça va, c'est bon. On peut la finir. Donc voilà. La base, elle est terminée. Tout est niveau 3. Donc la suite pour la base, c'est d'améliorer ici. On va agrandir la base. Elle va venir surtout sur le côté droit, là, que vous voyez. Et je vais l'arrêter au même niveau que la porte qui se trouve juste à gauche. Donc ça, ce sera par la suite que je vais le faire. Donc voilà. Ok, on continue. On va continuer ça. Okay, ça c'est bon. On va prendre de la bouffe avec, parce qu'on m'a demandé de passer en zone infectée. Alors je vais y aller à la fin de la vidéo. J'ai pas dit que j'allais tuer le Big One ou quoi que ce soit, ça c'est clair, je vais pas le faire parce que de toute façon il va me charger comme un porc.
Donc je vais passer en zone infectée parce qu'on m'a demandé de passer pour voir un petit peu comment c'est ceux qui n'y sont pas encore allés. Donc je vais y aller. Tout d'abord, donc la base, ok. On m'a demandé aussi de montrer comment tuer les crasheurs toxiques et comment faire des coups critiques. Donc j'ai ma pelle avec moi et on va aller en zone rouge. Ouais, on va aller en zone rouge pour vous montrer comment ça se passe pour les crasheurs toxiques. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, parce que hier sur le Discord, j'ai parlé à quelques nouveaux qui venaient de commencer le jeu depuis. Oh, ça c'est cool. C'est cool. Il reste 5 heures et 9 minutes avant mon bunker. Donc vous aurez aujourd'hui une deuxième vidéo sur l'opening des trois coffres du SS1, du hall d'entrée. Donc voilà, dans 5 heures, je vous record une deuxième vidéo. Et là, on se le fait. Et j'espère qu'on va avoir le réservoir du chopper. Là, j'y crois. Franchement, j'y crois. On verra bien, mais ouais, c'est cool. Du coup, je peux vous faire ça aujourd'hui, c'est bien. Et demain, je clinerai, enfin, je verrai un petit peu. Peut-être que je les recorderai déjà aujourd'hui et je les posterai demain, mais voilà, c'est bien. Au moins, j'ai de quoi faire aujourd'hui. Donc, c'est parti. Je vous montre pour les crasheurs toxiques. Par contre, j'ai pas pris d'armes sur moi, je pense. Attendez, je vais prendre la pelle. Donc, en gros, vous allez voir, quand vous allez rentrer un petit peu dans la zone, vous allez avoir un crasher qui va sûrement vous charger. Faut juste attendre que j'en ai un qui vienne. Voilà. Là, vous voyez, j'en ai un. Alors, vous courez. Voilà, du coup, j'en ai deux. Donc, vous courez et vous allez droit vers lui. Hop, là, il vous. Mince, attendez. Faut que je me fasse celui-là, là, le petit, parce qu'il m'énerve. Je vais vous montrer avec juste un crasher. Allez. Quand on en veut, il n'y en a pas. C'est incroyable. Ah voilà. Ok. Donc là, on court, on va vers lui et on évite le coup. On en met deux. Hop, il se retourne et on en met encore un. Ok? Donc vous le chargez. En fait, quand il vous charge, vous fuyez. Et à un moment, vous vous retournez, vous allez droit vers lui. Vous allez avoir sa zone rouge qui va s'allumer. Donc ça, c'est à force de le faire que vous y arriverez. Et là, du coup, quand sa zone rouge s'allume, vous l'évitez. Vous pouvez lui mettre deux coups avec la pelle rapidement. Le troisième coup, vous le mettez, mais vous bougez juste avant comme je viens de le faire. On va essayer d'en retrouver un pour le refaire. C'est pas les crasheurs toxiques qui manquent normalement. Je vais essayer en même temps de vous montrer peut-être un petit coup critique. Ok, donc là on a de nouveau un crasher. Je me retourne. Et là j'ai raté parce que j'ai pas tourné comme il fallait. Ok, on réessaye. De toute façon, quand on veut montrer. Ok, là j'en ai un. Vous prenez une zone où il n'y a pas de cailloux qui peut vous empêcher de. Voilà, hop, on évite, on met un coup. Non, j'ai pas le temps d'en mettre un deuxième. Trois. Voilà. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer un petit coup critique. Comment le faire? Vous vous mettez accroupi. Voilà. Ah, attendez. Là, c'est un joueur. Non, c'est un loup. Ok, vous vous mettez accroupi. Vous arrivez derrière. C'est le même pour les biches. Pour tuer les biches, en fait, vous devez vous mettre accroupi. Mais les biches, vous pouvez arriver devant ou derrière. Même si vous arrivez droit devant, il n'y a pas de souci. Elles partent pas. Ah, ben c'est un loup. Donc, hop, coup critique. Vous voyez que la pelle, elle fait normalement 27 de dégâts. Un coup critique, c'est x3. Donc, ce sera 27 x 3. Donc, 60. Ce sera un coup critique de 81. Hop, voilà, vous voyez, 81. Donc comme ça, vous savez comment mettre les coups critiques. Je vais récupérer la viande et la peau. Hier, je le disais aussi, la peau, n'en laissez pas passer. C'est super important. Tant que j'y suis, je vais ouvrir les coffres. Je vais pas clean la zone, hein. C'est vraiment juste pour vous montrer tout ce qu'on m'a demandé hier. Ok, ça c'est un coffre de radin. Voilà, mais voilà, ça c'est bon, ça. Hop. Tout ça, je prends et les conserves, je les mets ici. J'ai encore un coffre là. C'est bien, ils sont tous loin du coffre, donc je peux les ouvrir tranquille. Donc pour les débutants, hein, commencez pas à essayer. Ah, odeur de chair fraîche. Ne commencez pas à essayer de. Allez, de vous farmer, enfin de clean toute la zone, ça sert à rien. Ben, je vais vous montrer la biche, voilà. Vous voyez, j'arrive droit devant, accroupi. Un petit coup critique, paf. Et on prend. Alors lui,
On lui tatanise la tête. Ok, il n'y a rien de spécial. Encore un coffre ici. On va l'ouvrir. Crasheur toxique. Je vous remontre. On se retourne. On évite. 1, 2. Ah, bah lui, il m'a pas mis un deuxième crasheur. D'habitude, ils en mettent deux. Voilà. Ok, donc pour les crasheurs toxiques, encore un crasheur toxique. Ok, ouf, lui, je l'ai évité de justesse. J'attends qu'il me suive. Je me retourne. Tac. 1, 2. Bah, décidément, ils ne mettent pas deux crasheurs. D'habitude, ils m'en mettent toujours deux. Ok, c'est pas grave, tant pis. Donc, on continue. Ça, je vire. Ça aussi. Ok. Ça, je prends. La route VTT, je la prends pas. J'ai. Mon VTT, il est déjà crafté. Sachez qu'il faut 16 routes VTT. Attendez, alors là, qu'est-ce que j'ai qui arrive? Je pense que c'est deux crasheurs aussi. Là, je passe entre les deux. Hop! Et là, ils se mettent des coups, en fait. À eux-mêmes. Tout seuls. Ben, par contre, là, j'ai pas su éviter. J'étais. Vous voyez, ils se sont mis 15 de dégâts chacun. C'est pas grave, je pue, mais on s'en fout. Voilà. Arme cassée. C'est pas grave, on va passer à autre chose. Donc maintenant, je vais vous montrer. Donc le coup critique, c'est fait. Crasheur toxique, je vous ai montré aussi. Là, je vais aller en zone forêt infectée. À l'événement. Attendez, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Ah, c'est encore le. Bah non, non, c'était une caisse, il me semble. Bah c'est cool, c'est pas loin. Donc voilà, ce que je vais faire. Donc, je vais partir maintenant en zone forêt infectée. C'est juste pour vous la montrer. Je reste pas. Je vais pas faire le fou. Voilà, je vous montre simplement la forêt infectée. Ok, on y est. Vous allez voir le Big One qui va arriver. Il est monstrueux. De toute façon, il vous charge en 2 secondes. Quand vous voyez la terre trembler, partez. Regarde tout ce qui arrive sur vous. Voilà, vous voyez, là, c'est le Big One qui arrive. Regardez les dégâts. Paf. Vous pouvez lui tirer dessus, hein, ça sert à rien. Vous voyez, j'ai beau tirer. Hop, il a rien du tout. Ça lui fait 0 dégâts et je suis à la AK-47. Donc voilà, j'ai été en zone forêt infectée, je vous l'ai montré, je reste pas, parce que j'ai pas envie de me faire tuer pour rien. Bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la caisse de largage avec vous, en tant qu'à faire. Et après, je vais voir le marchand pour voir ce qu'il veut, et je vous laisserai ici pour cette vidéo aussi, et en off, je viendrai chercher la caisse du marchand. Que je vais garder, et pour vous refaire un pack opening. Alors. Ouais, j'y vais à la K parce que j'ai plus rien. Donc... Ouais, ça, je reprends aussi. La caisse de largage, elle est toujours au milieu de la map. Comme ça, vous le savez. Des fois, il y a moyen d'éviter les zombies. Hein. Vous faites le tour de la map, vous regardez. Mais là, comme moi, je pue, du coup, c'est pour ça qu'ils me chargent tous. Ok. Alors là, il faut que je change quelque chose, absolument. Bah, déjà, la brique, je la prends d'office. Et le câble, il n'y en a pas très peu, donc je vais quand même en prendre. Je vais le prendre, parce qu'il y en a quand même 10... Je vais virer la pioche ici, voilà. Ok, donc comme ça c'est fait. Maintenant on va aller voir en vitesse ce que veut le marchand. Ce serait génial que ce qu'il me demande c'est ce que j'ai déjà sur moi, il y a moyen. Mais bon, on verra bien. Alors le marchand il est là. 11, nickel. Par contre le chemin du retour il va être long. Entrée. Ah ouais, il veut pas. Il veut pas peu de choses, quoi. Ok, donc bah, limite, je vais déjà lui mettre ça. Ah, je peux même pas séparer. Quoi. Bon, c'est pas grave, je vais faire un scream. Voilà.
et je vais revenir avec. Donc voilà, moi je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que j'aurai répondu un petit peu à vos questions. Donc sur le Discord, n'hésitez pas, dans les commentaires aussi. Ceux qui veulent nous rejoindre sur le Discord, donc c'est une application, vous l'installez, vous la téléchargez, vous faites la recherche simplement, hein, Discord, Last Day on Earth, et vous allez télécharger directement la bonne application, et vous allez atterrir sur le Discord du jeu. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, il y a aussi Yujimbo qui est dessus, il y a Loubouzeux, non pas Lou, je sais plus, Benoît le Barbu, ça c'est sûr, je lui ai parlé hier d'ailleurs, chouette gars, encore en voiture apparemment, il est toujours en voiture, donc voilà, mais c'est pas grave. Donc voilà, je vous laisse ici moi pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, un petit pouce bleu, et puis des suggestions si vous en avez, ça va? Voilà, donc moi je vous laisse ici, et vous avez de la chance ce soir, ce sera le bunker, ouverture des trois coffres. Ciao ciao!